Il réclame à des arriérés de salaire. Le collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service a animé une conférence de presse. Objectif, demander au gouvernement des arriérés de salaire et une meilleure prise en charge des retraités. Notre pouvoir d'achat est mis à rude épreuve du fait des frais médicaux auxquels personne n'échappe dans nos rangs. D'où notre appel au chef de l'État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à qui nous demandons avec déférence trois choses. Il s'agit du paiement effectif des effets financiers des avancements indiciaires dus aux fonctionnaires à la retraite depuis 1988. Deuxième chose, afin de nous permettre de faire face à la cherté de la vie, surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année, nous demandons au président de la République d'accorder aussi aux fonctionnaires à la retraite le 13e mois aux primes spéciales de fin d'année, comme il l'a fait pour les fonctionnaires en activité. La séparation entre les travailleurs et la fonction publique s'est faite sur fond d'un contentieux majeur, à savoir le non-paiement des effets financiers des avancements indiciaires acquis de 1988 jusqu'à la date de leur départ à la retraite.